Merci, Monsieur le Président. Je salue la continuité du travail des deux co-rapporteurs sur le sujet. C'est vrai que pour des gens qui étaient favorables à la réforme, vous avez l'air globalement satisfait. Moi, je note quand même quelques petits éléments qui m'ont un peu chatouillé vu à la fois mon et notre opposition à l'ordonnance et à la transcription ensuite de cette ordonnance et la ratification qui va avec. Comme vous le savez, si vous avez un souvenir de ces débats qui n'est pas si apaisé que ça, qui était un des premiers gros débats pour le garde des Sceaux. Je trouve dommage que finalement on en vienne à maintenant le 22 mars 2023 à se dire « Ah, ça pourrait être intéressant de faire un code de l'enfance pour articuler le civil et le pénal ». Oui, vous l'avez dit à l'époque, mais c'est toujours pas fait, toujours pas le début des commencements d'un quelconque travail et d'un objectif qui va avec. Et en réalité, quand on fait une réforme qui met en avant uniquement les aspects pénaux, et ben on fait plus de répressifs. Et ça, effectivement, ça fonctionne. En tout cas, c'est ce qui se passe. J'étais, moi, particulièrement choqué par la phrase que vous avez mise dans votre rapport, indiquant que sous l'empire de l'ordonnance de 45, vous auriez pu mettre même sous l'emprise, le juge des enfants avait tendance à délaisser sa mission pénale au profit de l'assistance éducative qu'il plaçait au cœur de sa mission. Regretter le fait qu'il y ait une primauté de l'éducatif sur le répressif, c'est quand même... Bon, fallait oser. Moi, j'aurais pas osé. Je vous le dis très concrètement. Quant à la mise en œuvre, cette réforme bien préparée, c'est pas exactement les retours qu'on a eus avec les trames qui n'étaient pas prêtes au 1er janvier au moment de la mise en phase du déploiement, des manifestations qui ont eu, des tribunes qui ont eu lieu dans la presse par les magistrats concernés, pas par Hugo Bernal ici. Si c'était que moi, à la limite, vous pourriez me suspecter d'être hyper partisan. Mais non, juste des professionnels du secteur. Et je ne crois pas qu'il y ait un problème de formation des éducateurs de la PJJ au délai court, mais juste que quand les délais sont trop courts, on ne peut pas faire son travail correctement avec un jeune qui est mis en cause. Il y aurait tant à dire encore, Monsieur le Président, notamment sur la spécialisation des JLD et la conséquence peut-être sur les jeunes pris en charge dans les métiers du nouveau CPJM. Vous en avez déjà beaucoup dit, mais il faudrait pour ça un autre rapport.